Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite dans laquelle je vais vous expliquer comment débloquer pas mal de récompenses. En effet, il y a deux événements qui viennent d'être lancés par Fortnite. Il y en a un qui se passe sur leur site internet et l'autre qui se passe directement dans le jeu. En tout, vous pouvez quand même gagner des dizaines de récompenses, que ce soit des objets ou de l'XP. Alors écoutez bien la vidéo. Avant toute chose, je compte sur vous pour la partager un maximum de fois. Ensuite, pensez également à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me ferait plaisir si on pouvait atteindre les 2500 likes sur la vidéo. Alors je compte sur vous. Et pour les nouveaux, pensez à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer les notifs pour être sûr de rien manquer. Dernière chose, écrivez hashtag cadeau en commentaire si vous aimez avoir des récompenses gratuites. Ok les mecs, alors on commence par le premier événement qui s'appelle Pote qui dépote. C'est un événement disponible directement sur le site de Fortnite. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous pouvez vous inscrire et on va regarder ensemble tout ce qu'on peut débloquer. Déjà, quand vous arriverez sur cette page, il faudra se connecter à son compte Epic Games. Vous avez juste à cliquer sur connexion et ça se fait automatiquement. Alors ensuite, on peut voir du coup le nom de l'événement, on voit qu'il reste 12 jours, donc ce sera disponible jusqu'à la fin de saison. Ça nous dit félicitations, la partie difficile est terminée, maintenant que vous êtes enregistré, faites des parties avec vos amis. Votre progression pour le déverrouillage des récompenses s'affichera ici automatiquement. Remarque, attendez au moins 30 minutes après chaque partie pour que ça se mette à jour. Confirmation de bonus quotidien, maximisez vos points pendant 60 minutes de bonus quotidien. Pendant cette période prédéfinie, vos gains de points sont multipliés par 3 quand vous jouez avec un ami. Ok, et donc là on peut choisir une heure du coup, et si on joue pendant cette heure là, on gagne 3 fois plus de points. Bon bah pour l'instant je vais pas choisir d'heure parce que je sais pas encore quand est-ce que je ferai ça. Du coup, qui a-t-il à gagner? Ok, alors on a 4 récompenses à débloquer. Une émoticône, poignée de main spatiale. Une musique, la musique invasion, ça c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on a le revêtement sur la plage abandonnée, un petit revêtement sympa. Et surtout, une pioche marteau. Oh, elle a l'air incroyable. Je sais pas si vous la voyez bien comme ça, mais franchement, la pioche, elle est pas dégueu. Et j'ai hâte de voir en gameplay ce que ça donne. Du coup, ce qui nous intéresse, comment gagner des points? L'important, c'est de passer du bon temps avec ses amis. Après avoir enregistré votre compte Epic sur ce site et vous êtes connecté, donc ça c'est bon, vous recevrez des points pour le temps passé à jouer avec un ami de votre liste d'amis dans Fortnite. Ok, donc de ce que j'ai compris, il faut juste se connecter sur cette page et ensuite faire des games avec un ami. Et du coup, en bas, on a le barème de points. Alors, un point par tranche de 10 minutes de jeu ensemble dans Battle Royale. Donc ça, je pense que c'est avec un ami. Un point par tranche de 10 minutes de jeu ensemble dans le mode créatif. Et ça, on peut atteindre maximum 6 points par jour. Et sinon, 3 points par minute de jeu pendant la période de bonus quotidien. Donc ça, c'est quand vous activez ici le bonus. Par contre, comment on débloque les récompenses? Parce que c'est pas écrit combien de points il faut pour avoir telle récompense. Ça, je comprends pas encore. Alors, combien de temps va durer? Bon, ça, c'est jusqu'au 12 septembre à 22h. Ok. Mes amis doivent-ils s'enregistrer? C'est préférable, mais je crois que c'est pas obligatoire. Ça veut dire que vos amis, s'ils s'inscrivent pas, juste, ils n'auront pas les récompenses, mais vous les aurez quand même. Est-ce qu'on peut participer avec plusieurs amis? Oui, c'est pas un problème. D'ailleurs, les potes, si vous n'avez personne, commentez vos pseudos et ajoutez-vous pour le faire. Alors, quand est-ce qu'on reçoit les récompenses? Apparemment, c'est dans l'heure qui suit après qu'on ait atteint le niveau nécessaire. Le seul truc, c'est que j'aimerais savoir justement quel niveau il faut atteindre. Est-ce que c'est écrit? Alors, faites juste attention, quand vous choisissez l'heure de bonus, vous ne pouvez plus la modifier. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore choisi, je préfère attendre. Bon, en vrai, c'est pas grave, je vais quand même choisir une heure. Tant pis si je peux pas le faire, on va mettre de 15 à 16 heures. Alors, vous êtes sûr? Oui, je suis totalement sûr. Ok, donc là, mon bonus, il est activé. Ah, je peux quand même changer l'heure? What? Ok, bon, ils avaient dit qu'on pouvait pas changer l'heure, mais apparemment, on peut quand même. Bon, par contre, je vois toujours pas combien de points il faut débloquer pour avoir ces récompenses. Donc, si jamais vous savez, dites-le-moi en commentaire. En tout cas, c'est un événement gratuit, assez cool, donc je vous invite à le faire. Il faut simplement jouer avec des amis, je vous mettrai le lien du site en description. Du coup les potes, il est 15h et on est parti pour découvrir les autres récompenses. Comme je vous l'ai dit, elles sont directement disponibles dans le jeu. Donc c'est parti, Battle Royale. Ok les potes, comme vous le voyez, on a débloqué de nouvelles quêtes, Jeux des îles. Obtenez des récompenses en accomplissant les quêtes des Jeux des îles.
Eh bah super, on accepte et on va regarder ce qu'il faut faire. Du coup, on peut sûrement les retrouver dans les quêtes. Et ouais, on a carrément un onglet exprès pour ça. Oh là là, il y a plein de choses. Déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs étapes. On peut gagner 35 000 XP ou alors un spray. Donc ça, déjà, c'est cool. Pour ça, on doit faire des éliminations dans le mode rouge contre bleu en poigne. Ensuite, infliger des dégâts à bord d'une berline prévalant dans évasion de prison. 30 000 XP. En vrai, pour tous ceux qui sont pas encore level 100 ou qui veulent débloquer certaines variantes, c'est vraiment le meilleur moyen de gagner de l'XP. Ensuite, on a d'autres défis dans les mêmes modes de jeu, rouge contre bleu ou alors évasion de prison. Donc ce sera principalement dans ces deux modes de jeu. Je pense qu'on peut les retrouver ici, attendez. Ouais, les modes de jeu, ils sont ici à la une. Ok, je voulais pas le choisir, mais en gros, ils sont juste ici à la une, donc c'est très simple de les lancer. Du coup, on doit acheter des armes légendaires dans un distributeur, avoir des armes de rareté épique ou supérieure, réussir des éliminations. Vraiment, les défis sont très simples. Et du coup, on arrive à des récompenses très intéressantes, accomplir des quêtes des jeux des îles. Donc, il faut en finir 5, 7 et 9. Et ça nous permet de débloquer une émoticône, une pioche, ça c'est très intéressant, et un revêtement. Le problème, vous allez me dire, c'est qu'il n'y a pas 9 quêtes. Là, si on regarde juste au-dessus, il y en a 5, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est simple, parce qu'en fait, les autres quêtes seront disponibles dans 2 et 3 jours, si je ne me trompe pas, et 4 jours aussi. Donc moi, je vous conseille quand même de vous avancer en faisant ces 5 premiers défis qui sont déjà disponibles. Et comme ça, en plus, vous allez pouvoir débloquer la petite émoticône, qui n'est pas une grosse récompense, mais qui fait toujours plaisir. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça rapporte aussi beaucoup d'XP, et ici, il y a un spray à gagner, donc franchement, c'est bénef. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un événement comme ça. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu plusieurs events avec pas mal de récompenses dans le jeu, donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. En plus, on s'approche d'un gros événement, de la fin de saison, et surtout d'une nouvelle saison qui va beaucoup changer. Donc en termes de contenu, de hype, etc., on peut dire qu'Epic Games a fait fort. En attendant les potes, j'attends vos retours en commentaire. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Pensez également à la partager à vos amis pour qu'ils puissent également débloquer les récompenses gratuites. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifs, c'est très important. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo où on parlera justement de l'événement final. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter. Allez, ciao les potes !